je suis amoureux des nanas aux cheveux roux. Pourquoi cela? Parce qu'elles sont démoniaques et dévergondées. Je me marre, mais à l'époque, on ne rigolait pas trop avec ces choses-là, bien au contraire. On connaît tout un tas de stéréotypes sur les roux, du genre qu'ils n'ont pas d'âme. Mais d'où ça vient tout ça? Pourquoi y a-t-il une telle haine contre les roux? Eh bien, on pourrait remonter à l'Égypte ancienne, où le roux était associé au sang et à la violence. On dit même que le dieu Seth, le vilain qui découpa son frère Osiris en 14 morceaux, était roux. On le surnommait même le diable roux. C'était pas foufou d'être roux à l'époque, mais tous les roux n'étaient pas perçus de manière négative. Il y avait même un pharaon qui était roux, et qui était bien apprécié, c'était Ramsès II. Bon, par contre, on associait sa rousseur à ses victoires militaires. Car forcément, les roux, c'est des guerriers violents et sanglants. Du côté de la Grèce antique, on a le terrible Typhon, le père de Cerbère. Oui, il était apparemment roux. Certaines rumeurs racontaient même qu'on lui sacrifiait des personnes rousses. Mais en fait, c'était faux. C'était simplement des animaux roux. Mais ce n'est pas top quand même. Dans l'Ancien Testament, on retrouve le personnage d'Esau. Ou Esav. Ou Issou. Ésaü. Qui était roux, tout velu comme une fourrure de bête, et qui a refusé la bénédiction de Dieu pour... La bénédiction de Dieu étant son droit d'aînesse, vu qu'il est l'aîné, il récupère tous les biens de son père. Des lentilles. Sérieux? Mais c'est infâme les lentilles, sans déconner. Et pour le Nouveau Testament, certains accusent Judas d'avoir été roux. Arrive le Moyen-Âge, belle période, surtout dans la deuxième moitié, avec la peur absolue du diable que l'Église a mis en place. Résultat, on a fini par accuser les roux d'être des créatures démoniaques, d'avoir approché de très près les flammes de l'enfer pour passer un pacte avec le diable, et qu'ils ont gardé une marque de leur passage, les cheveux roux et leurs taches de rousseur. De nombreuses nanas ont fini sur le bûcher pour seul crime d'avoir une belle chevelure rousse. Il y a aussi une superstition qui dit que si on croise un roux dans la rue, eh bien ça porte malheur, et qu'il ne faut surtout pas les regarder, car ils risquent de voler votre âme, car lui n'en a plus. Une autre théorie bien sympa est que les roux soient procréés juste après une partie de jambes en l'air alors que la madame avait ses règles. Autre fait assez chelou, on a associé la chevelure rousse à la prostitution. En 1254, Saint-Louis dépose un édit qui autorise les femmes à vendre leur corps, mais qu'il faut qu'elles se teignent les cheveux en roux. Ah bah oui, une brune ou une blonde, bah c'est pur. Mais une rousse? Non, c'est la couleur des flammes de l'enfer, de la luxure. C'est celles qui forniquent avec le diable qui sont rousses. Bien bien triste tout ça. Je ne suis pas roux donc je ne suis pas touché par les moqueries relatives à ma couleur de cheveux. Mais j'espère vraiment que c'est devenu minime de nos jours. Quoique souvent dans les films, c'est les belles rousses qui font les aguicheuses. En tout cas, je n'ai juste qu'une chose à vous dire. Les rousses, je vous aime. Vous êtes magnifiques. Celles qui ont les cheveux tout rouges aussi d'ailleurs. Bisous!